je crois qu'on a cheater ici. Ouais, on a cheater. Bah, fuck off. Alors, on a cheater! Là, tu verras même Le pas son fils de pute! Virtuose. Je peux savoir comment tu fais pour être aussi fort. Putain, genre d'internet. On a un cheater en PvP. Oh, avec ça, on va le tuer. Pauvre gars. Ah non. Ah non. Virtuose, ça doit être ta chaîne chaise gaming, non? Bon, adieu. Ok, quand je te dis, tu le unfreeze. Ah, oh, slash mode, ouais. 3, 2, 1, unfreeze! Haha! On a balancé. Ah. Ok, les gars, je suis à l'avance de Léa le fifou. Ça doit être un gars qui prend un pseudo de fille. C'est peut-être une fille, je sais pas. Whatever. Je sais que c'est un grand abonné parce qu'il a dit qu'il aimait beaucoup mes vidéos tout à l'heure dans le chat. So, je me suis dit, pourquoi pas le troll un peu. So, on va changer son spawner en spawner give. Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme type de spawner? On pourrait faire les spawners à Blaze. Vas-y, on va remplacer son spawner par un spawner à Blaze. Puis on va voir si elle va s'en rendre compte, genre. Là, elle va genre paniquer ou je sais pas quoi. Puis là, faut juste que j'attende, qu'on attende sa réaction. On pourrait peut-être en mettre plus, non? Pour que ça spawn plus rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? On va les enlever après, les gars. On va remettre son spawner, inquiétez-vous pas. Ça va être quoi sa réaction, vous pensez? Elle va dire genre what? Parce que bon, comme j'ai dit, je peux plus utiliser le World Edit. Attends, mais réponds, dis quelque chose! Ah, ils l'ont même pas remarqué encore, c'est une calice. Ah oui, check! Ils sont genre what the fuck? Ils sont en sneak pis tout! Attends, je vais mettre les blazes qui vont descendre ici en fait, parce que j'avais oublié qu'ils pouvaient pas descendre. J'avais oublié qu'ils pouvaient pas descendre, ils ont mis quelque chose ici de spécial, là, bizarre. What the fuck? Attends, on va voir la réaction. Ah, les deux ils farment! Ils sont genre what the fuck. Ils savent plus qu'est-ce qui se passe. Bon, je vais aller arrêter de les faire chier. Hop là, je vais mettre leur vrai spawner. Puis on va dégager d'ici. Skeleton, voilà. Boum, on s'en va. Personne nous a vu. Et les gars, j'ai trouvé un autre abonné fidèle. Julien puis Toxy en fait. Ils ont trouvé ce spawner là, ils viennent juste de le trouver. Fait qu'on va un peu changer leur journée ou quoi que ce soit, whatever. Je vais faire juste un petit slash mode puis je vais me TP à lui après. Voilà, comme ça, plus de problème. Et là, on va faire un petit changement, on va changer leur spawner. Give pig zombie. Comme ça, s'ils réussissent à le récupérer, ou s'ils... attendez, pig zombie. Comme ça, s'ils réussissent à le récupérer ou quoi... Est-ce qu'il va s'en apercevoir? Le kit farm c'est efficace comme les autres versions. Request rep. Il est parti en plus, le gars. Non, malheureusement. Ouh, malheureusement. Comment j'ai écrit ce style mot là? Oh, tabarnak, il est parti. Bon, on va laisser le spawner comme ça. Petit cadeau de la mairie. Rip. Puis j'ai trouvé quelqu'un dans le nether, les gars. Ça, c'est mes trucs favoris dans le nether. TP Thomas. Ok, je sais beaucoup, il y en a eu dans vous qui ont dit que c'était gamin, etc. Mais garde, moi je trouve ça drôle, ok? Ça, on rigole avec les abonnés fidèles. Si la personne n'est pas contente, je m'excuse, mais garde.
C'est fucking drôle. Oh shit, faut pas qu'il meure par exemple. Survie mon beau, t'es capable. T'es capable. Cours, Forest, cours. Cours, Forest, cours. T'es capable. Lâche pas. Follow your dream. Just do it. Ok, je sais ce que je vais faire, les gars. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une trappe, ok, ici. Puis en gros, le coffre va être l'autre côté de la trappe, ok? So, si la personne va perdre, elle pourra avoir le coffre. Mais si elle perle pas, elle pourra pas avoir le coffre. Dans le cas, je vais mettre des trucs de merde. Mais au moins, comme ça, on va essayer de trapper au moins une personne. J'en espère que ce soit pas genre une faction de 20 qui se ramène en même temps, puis les 20 marchent sur le truc, hein. Ce serait vraiment triste. Malheureusement. Let's go, c'est parti. So, je sais pas si vous connaissez cette technique-là. Vous mettez des... je vais vous montrer comment la faire, comme ça, si vous voulez la refaire. Je crois que c'est comme ça que vous faites. Vous faites ça, vous creusez un trou. Là, on est au spawn, fait que je peux utiliser le World Edit. On est à côté du spawn, en fait, on est juste derrière la Warzone. So, là, je vais utiliser le World Edit pour creuser le trou, parce que, bon, on va pas se le cacher, les gars, je vais pas creuser un trou, quand même. Vous creusez votre trou, fait que vous faites slash cut, whatever, vous faites ce que vous avez à faire. Nous, on veut pas le tuer nécessairement la personne, so, on va pas le mettre ici profond que ça. De toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui ont le high legs, fait que ça changerait pas grand chose. Donc, on va prendre des pistons rétractables et on va les mettre à deux de loin. Voilà. Tac, 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 comme ceci. Et là, qui sont descendus, regardez, ça paraît pas tellement parce que c'est de la stone. Fait que là, les gars vont faire pouf, ping, il va tomber direct dedans. So, on va installer genre. Ouais, le coffre. On va faire un double coffre là et puis tout ça, on va faire la déco après, inquiétez-vous pas. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'en aller, dans le fond, à l'intérieur. Ah! Tuto redstone avec Icon, les gars, aujourd'hui. on va s'en aller ici à l'intérieur. On va casser la double layer ici pour pouvoir faire. Hop là, besoin des torches de redstone. Tac, tac. Pour pouvoir faire ceci. Voilà. On va casser ça pour l'instant, mais bon, on va la remettre vite fait comme ça. Donc, ensuite. Hop là. Ok, c'est où ce que j'ai fait ça? C'est juste ici. Donc, faudrait pas que la personne arrive par au-dessus, genre. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bedrock. Bref, je fais tout ça, puis je vous prends après. Ok, j'ai un internet. J'ai terminé mon plan, donc je vais le faire maintenant, en fait. On va faire ça comme ça, parce que là, c'est là que Chuck en gros, je vous montre. Boom. Tac, ça arrive, ils font ça. Donc, comment ça fonctionne, c'est que vous mettez des pistons comme ça, vous mettez des torches d'arrêt sur en dessous, vous faites des chemins qui se relient à vos plaques de pression, puis voilà, c'est super simple. Pas trop difficile pour un attardé comme moi, donc vous pouvez m'appeler maintenant Hypierre. Donc là, le truc, seul truc qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut faire en sorte que les abonnés ne passent pas par... Il faut faire en sorte que les abonnés passent par ce tunnel-ci. Parce que s'ils passent pas par le tunnel qui est ici, cela sert à rien. Donc il faudra tout boucher ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour faire genre qu'ils puissent passer par là. Donc, tac, 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 tac. Comme ça, avec ça, on va pouvoir faire genre... Oh non, c'est que s'ils descendent direct dans mon circuit, là, ils vont voir que c'est une trappe. Ah bon, faut juste espérer que ça marche. Au pire, sinon... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, sinon? Ouais, j'avoue que là, ça paraît fucking suspect, mais bon. Peut-être qu'on va tomber sur un abonné fidèle. Au pire, tu sais ce que je vais faire? Je vais dire genre un abonné chanceux. Oh, puis regarde, on essaye. On verra ce que ça donne. Et puis, voilà. Holo create event 1. 8 points à gagner. Voilà. Attention. Vous êtes prêts? Il a un spawner à pig. Zombie et 8 points à gagner. Le coffre est entouré de bedrock. Vous devez passer par l'entrée principale. Je vous donne les coups de l'entrée principale. Bonne chance à tous. Le gagnant sera pas déçu. Donc, je vous reprends, les amis, tout de suite. Ok, j'ai donné les coordonnées, les gars. C'est parti. Moins 0. 3, 5, 5. Donc là, j'ai marqué comme quoi que l'entrée était là. J'ai donné les coordonnées un peu plus par là. Comme ça, on va voir. La première personne va arriver, va faire... What? Boom, comme ça. Elle devrait faire ça, comme ça. Oh, j'ai pas pensé à ça. Slash top. Oh, merde. J'ai pas pensé, en fait, si elle saute. Shit, what the fuck?
Qu'est-ce qui se passe ici, man? Y'a fucking des gens dessus. Fucking des gens dessus. Oh, y'a du fight. Oh, y'a fucking des gens, les gars! Les gars, c'est peut-être le jour où on va attraper plein de gens. Les gars, je suis sûr qu'on va en attraper un. Oh, shit, j'ai activé les pistons. Bonne. Attends, j'ai redonné les coordonnées. Ok, il y en a un qui est arrivé. Oh, c'est Bobby! Ok, attends, il est pas mort. Ils sont pas morts! Ma trappe a pas marché! J'ai tout fait ça pour rien. Puis le gars, en plus, il a récupéré les points. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est qu'ils sont arrivés puis ont déjà sauté, genre? Attends. Comme ça, ça aurait pu marcher. Ouais, là, ça aurait marché, c'est sûr. Je remets des récompenses. Revenez. Qui est un MVP au pire? Oh. Ah, t'es Yaldos, Yaldos, c'est bon, c'est bon, Yaldos, Yaldos. BOOM! BOOM! One down! Les fils de pute. Il est en train de péter mon système. Oui. Il est tombé! Un autre! Allez! Oh my god, je suis trop rigolo. Un autre qui est tombé! Oh my god! LOL! Je vais tuer Pinky Wee, les gars. Viens ici, Pinky Wee, que je te tue. Sacré esprit, sapristi, sapristi. Ben allez, explosez! Allez! Faut qu'elle meure, faut qu'elle meure, faut qu'elle meure, faut qu'elle meure. Pourquoi elle meurt pas? Oh non, zut. Elle va mourir. Je te le dis, les gars, je vous le dis, elle va mourir. Il y a 69 creepers, oh my god. Comment on fait pour activer? C'est quoi le briquet, genre? Oh my god. Oh my god. Je suis sûr qu'on va la tuer un moment donné. Je l'abandonnerai pas, les amis. Je vais tuer toutes mes creepers. Regardez. Ah zut. Faut qu'il j'en explose un.